Salut les amis, c'est Angelken, on se retrouve sur Matsimo, le jeu dont vous avez vu. Putain, ma manette s'est déconnectée. Ah oui, crois. On se retrouve sur Matsimo, un jeu sur PS2 que je n'ai jamais fini parce que j'étais noob et je voulais sur la cinématique. Tu m'avais dit que Matsimo était mort à la guerre. Silence ! Ça suffit, Achille ! Jeune présomptueux, je contrôle ton royaume et je contrôle le pouvoir du monde souterrain. Sophia ! Car à mon pouvoir maléfique. Boum ! Quoi ? Pas peur de la mort ? Il y a des choses pires que la mort. Oh oui, oui, je vois des choses comme ça. Tu sais ce que c'est? La perceuse d'Achille a fait ce trou. Il libère mes esprits et recrute mes morts pour son armée. Qu'est-ce que j'y gagne? Je t'enverrai dans le monde des mortels. Comment te croirais-je? Comment ne pas faire confiance à ce visage? Tiens, comme preuve de notre contrat. Tant que tu en auras une, je te garderai en vie. Tu dois trouver le conseil des sorcières, elles t'adorent. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'aides? Sans mort, je n'ai plus de boulot. Allez, va! Bonne chance, Matsimo! Et bien c'est parti pour le premier let's play de mon nouveau concept de la saison. C'est donc la saison 1, épisode 1. Ouais, hein, si vous voyez dans le titre saison 1, épisode 1, et bah c'est tout simplement parce que la saison 1 c'est Matsimo et l'épisode 1 c'est Matsimo. Comment on fait pour sauter? Ok. Alors, ça va pas le faire si ma manette bug. Pourquoi il tape? J'ai rien coincé. Ah! Et bien les amis, je vais faire une petite ellipse. Je vais changer de manette si j'en trouve une. Je l'espère. Heureux, les amis. Et ben voilà, j'ai trouvé une manette. J'espère qu'elle marchera. Elle a plein de poussière dessus. Bon, voilà. Après ce petit fail de merde dès le début. On peut jouer avec les joysticks. Avec l'autre manette de merde, on pouvait pas jouer avec les joysticks. C'est un let's play que j'avais déjà tenté, mais j'étais tellement noob que je pouvais pas me permettre. Je faisais des fails. Pour vous dire, le début qui devait durer, je sais pas moi, 10 minutes, enfin 15 minutes dans cette vidéo, on va dire, il a fait 30 minutes. Hein, tout simplement, en plus je connaissais rien du jeu, je savais même pas comment sauvegarder. Parce qu'il y a une petite particularité pour sauvegarder, c'est tout simplement... Faut payer et c'est à une zone bien précise. Du coup voilà, là je pouvais pas sauvegarder, je peux plus rien faire. Ça n'a pas créé de sauvegarde quand j'ai commencé. J'ai appuyé sur Start, puis ça a lancé la cinématique du début. D'ailleurs j'ai loupé une petite pièce là-bas. Je ne compte pas mourir, alors enfin je compte mourir le moins de fois possible. Hein? Je vais vous mettre un petit moment de ma première mort sur Matsimo dans la vidéo que j'ai essayé. Bon, si j'ai la flemme, je le ferai pas. Alors, tiens. Une pièce d'armure, n'est-ce pas? Ouais. Je suis en mode gladiateur. Et ça, je l'ai trouvé qu'au deuxième épisode. Enfin, du deuxième épisode fail. Mais là, c'est le premier épisode de la saison 1. J'espère vous plaira. Alors là j'ai activé le checkpoint et on peut le faire uniquement comme ça. C'est vraiment un jeu qui doit être galère, c'est pour ça que je l'ai jamais fini, j'ai jamais fait le niveau 1. Alors ça fait allez 6-7 ans que je l'ai, le jeu. Oh ouais, 6-7 ans que j'ai le jeu. Il est sorti en 2002, édité et développé par Capcom. J'ai appris par cœur ça, attention. C'est un jeu action aventure. Surtout hardcore, tu vas crever. C'est comme la Dark Souls, j'ai envie de dire, mais
Il y avait aussi une autre comparaison sur ce jeu, mais je me rappelle plus du tout. Goblins, je sais pas quoi, mais c'est pas de mon époque ces jeux, alors voilà, je connais pas. Voilà, j'active la clé que je viens d'ouvrir, enfin que je viens de prendre dans un coffre. Biatch! Un squelette. Alors ici, vous pouvez voir, c'est une zone un peu grisée là. C'est tout simplement, je me fais taper des chibés. Alors je vais éviter de rester longtemps. Hop. C'est une zone dangereuse. Je viens de récupérer un diamant qui me donne 10 pièces d'or. Alors les pièces d'or, c'est obligé de... je l'ai dit au début, il faut payer pour sauvegarder. Du coup, faut prendre un maximum de pièces d'or. L'idéal, c'est d'en avoir plus de 100. Parce que c'est 100... faut payer 100 pièces d'or pour... En général, les pièces, les coffres sont piégés, c'est pour ça que j'ai fui. Oui, je disais, il faut payer 100 pièces d'or pour sauvegarder. C'est un petit truc abusé, je sais. Là, je gère quand même du PGM, mais... Alors lui, il faut pas qu'il me tape, sinon je vais perdre mes lucioles que j'ai perdu tout à l'heure. Ah ! Salope ! Hop, je récupère mes lucioles. Je sais pas du tout à quoi ça sert, par contre. Ça, je vous l'avoue, je me suis pas renseigné. Mais c'est tellement dur de se renseigner sur ce jeu. J'ai cherché pendant je sais pas combien de temps sur jeuxvideo.com. Sur jeuxvideo.com, il n'y a rien du tout, quasiment. Hein, vous êtes des faibles. Bref. Moi, je vais finir ce jeu à 100%. Compris ? Bon, je l'espère à 100%. Faut pas que je l'espère non plus. Hein. Ah, allez. Eh, j'ai pas encore perdu de vie. Bon, je sais, je vais en perdre un moment ou un autre. Alors, il y a aussi ça, qui est vraiment difficile à comprendre. Bon, ça... c'est où? Ah, c'est là. D'ailleurs, j'ai loupé une tombe. Faudrait... voilà. Alors ça, voilà, je tapais des milliers de fois dessus. Mais il veut pas s'écraser, en fait, pour faire le truc. Yeah! Et je récupère un cœur. Je sais pas si ça va me servir. Ah ouais, une vie. D'accord, j'ai 5 vies maintenant. Intéressant, intéressant. Ah d'accord, j'ai tapé ça sur ça dans le vide, je ne savais pas. Ah, petite Luciole, venez à moi. Vous êtes... mien. Ouais. Hop, L1 pour remettre la... Ouais, voilà. Bref, j'ai activé le checkpoint, c'est bon. Bon, maintenant je vais essayer de pas mourir comme... voilà. Je vais essayer de pas mourir tout simplement. J'ai eu l'idée de sauter dans la lave comme j'ai fait la dernière fois. Hop! Faut leur mettre. Oh! Fait chier. Oh, j'ai une épée feu! Par contre, j'ai pas de skill encore. J'ai pas d'espèce d'atout. Normalement, j'aurais dû avoir un atout qui me permet de, par exemple, d'enchaîner. D'enchaîner des coups d'épée ou tout simplement de. En courant, faire une attaque forte. Là, je ne peux pas. Alors oui, R2 c'est pour utiliser bouclier, c'est pour se protéger. Ça c'est pour se baisser, mais ça sert strictement à rien, enfin je pense. Et après plus tard je pourrais lancer mon épée si j'en ai envie. Mais voilà, c'est comme c'est vraiment un jeu hardcore, c'est fait pour la difficulté. Alors c'est ici que j'avais crevé la dernière fois. Non ! Ah ! Ah ! Ouais ! Oh la vache. J'ai bientôt mes 100 pièces d'or. Évite de mourir pour rien. Bon, avant, j'ai joué avec les flèches parce que ma manette était cassée. C'est mon excuse. Là, ça va lancer des grosses boules de crâne. De crâne, ouais. Ah, fait chier, j'utilise mon épée pour rien. En haut à gauche, vous avez la durée de vie dans mon épée. Vous voyez les petits trucs rouges, là. Les petits trucs rouges. D'ailleurs, il y a un squelette qui m'attend là-bas. Et bah c'est le nombre de coups que je peux taper tout simplement. Alors je vais... Ah la vache, salope. Hop, j'ai récupéré ma vie, c'est pas grave. Alors oui, il y a aussi un système... si tu te fais taper... Je sais pas si je peux le détruire ça. Oh ouais. La vache, c'est vachement bien pensé. Tiens, je vais m'en occuper de suite, toi. Il y a quelqu'un devant moi? Ah, ok, il y a ça. Oui, il y a un système, par exemple, là, j'ai une armure, mais si je perds ma première barre de vie, vous voyez, j'en ai 3, et ben, je perds mon casque et mon torse. En gros, je deviens comme au début. Et si je perds ma deuxième barre de vie,
Je suis en caleçon et des cœurs, simplement. Ok, toi tu traverses les cœurs. Oh, ah bah toi, enfin, tu traverses les crânes. Je commence à... Alors à droite, il y a un truc pour avoir des potions de soins, mais j'en ai pas besoin. Voilà, voilà. Ouf. Salope. Tiens, il m'a tapé. Hop. Vous avez vu, hein, les... Je vous en parlais. Oh, une sixième vie. C'est la première fois que je deviens si fort depuis longtemps. 50, mais j'en ai pas besoin, pas forcément. Un checkpoint, checkpoint. Alors mon record personnel sur ce jeu est tout là-bas. Je sais même pas pourquoi j'avais le jeu. Enfin, général, j'ai des jeux, j'ai presque jamais joué. Par exemple, j'ai le... Oh, foiré. J'ai le monde de Nemo en jeu vidéo. Je sais même pas pourquoi. J'ai pas mal de jeux, j'ai presque jamais joué. Bah, celui-ci en fait partie. Vaut mieux pas que je tombe dans l'eau. Je vais essayer d'avoir le... Première mort du jeu. Je m'applaudis. Bon, j'ai récupéré. Voilà, j'ai 5 vies. J'aurais pu retourner... Ouf. Au début, pour récupérer une armure, mais c'est pas nécessaire. Hein. Hop. Un petit élément. Oh, mais c'est dégueulasse. Non, je perds mes vies pour rien. Allez, fuck you, le diamant. Hein, je suis désolé. Fuck you, le diamant. Fuck you, diamond. Hop, bouclier. Vous voyez que en haut à gauche, en dessous de ma barre de vie, il y a un petit trait bleu qui s'est enlevé. Simplement que mon bouclier aussi a une durée de vie, j'ai envie de dire. Fuck you. Par contre, je suis pas très bien équipé. Bah, j'espère. Je sais comment me rééquiper, ne vous inquiétez pas. Enfin, je dis ça. Bien évidemment, j'aurais du mal. Tiens, qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, reviens. Il me reste plus que 4 coups d'épée à mettre. Hop. Oh, tiens, un coffre. Ah, mais non. Oh. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner? Des pièces, et ça m'en met sur le truc. Sérieux. Voilà, je perds de la vie. Hop, je me remets bien la caméra. Normalement, un jeu difficile, j'espère que je vais le finir. Normalement, il devrait pas être très long à finir si je fais pas trop fail. Oh, vas-y, viens. J'ai bientôt fini le niveau. Oh, j'ai récupéré ma vie, super. Une petite pièce, c'est gratuit. Il me reste plus de 2 coups à mettre après que mon épée s'éteigne. Je viens de récupérer une clé, ok. Alors, vas-y, viens taper, fils. Bien joué. Ah, mais oh! Il est où le... Ah! Putain, j'ai réussi à flipper. Bon, bref. Enculé. Ouais, bref. Bref, j'ai envie de dire. Oh! Fils de... Viens, fantôme. Je sais pas ce que quoi je vais récupérer, j'espère un bon truc. Ouais. Par contre, vaut mieux... Oh là là, je vais perdre mon armure à cause du... Bah, je vais essayer de pas perdre mon armure. Hier, j'ai défoncé ça, je m'en fous de la pièce. Le niveau est bientôt fini, les amis. Alors cet épisode sera un peu plus long que ceux d'habitude, hein, ceux que je ferai d'habitude. Tout simplement parce que... Il y avait une cinématique au début, et pour vous montrer un peu bien le jeu, pour vous donner envie peut-être. Ouf. Alors je sais pas, ça doit être des spawners. Oui, c'est des spawners les totems, je viens de comprendre. Ça, j'ai jamais compris. Alors faut pas que je perde ma vie. Faut pas que je perde ma fucking life. Et là on a fini le niveau avec 150 pièces d'or, c'est parfait, je vais pouvoir sauvegarder. Alors maîtrise du niveau, plus de 65% s'il te plaît. Yeah, super. Maîtrise du jeu 3%, j'ai terminé 4%, bah ça va. Enfin, non, c'est un peu long, j'espère. Bref. Alors, j'ai pas récupéré ma vie, vaut mieux pas que je me fasse taper. Alors là, on est un petit peu enfoiré. Me tape pas. On est dans le point central, j'ai envie de dire. Là, en fait, justement, c'est le niveau du boss.
tout simplement. Enfin, je dis ça parce que je me suis renseigné, hein, j'ai regardé sur YouTube, non, sur jeuxvideo.com tout simplement. Alors j'ai trouvé le truc que je n'avais jamais trouvé. Là-bas, il y a la fontaine. Dédicace à Jean de la Fontaine. C'était dégueulasse, je sais. Bon, j'avais envie de sortir. Hop! Sop! J'ai pas dit sop. J'ai envie de sauvegarder. Laissez-moi tranquille. Alors oui, je vais dire que j'ai galéré, mais... Oh, c'était tout simple. Faut juste se renseigner comme... Faut juste se renseigner à ce jeu. Je crois qu'il faut pas que je sois dedans. Ah, merde. En espérant qu'il y ait de la place sur ma PlayStation 3. Oh, putain. Yeah! Retour. Sauvegarder la partie. Sauvegarder la partie. Ah oh ouais. Ouais, je sais pas combien de lettres je peux mettre. Du coup, Jules. Yeah, sauvegarde. Première fois que je sauvegarde ce jeu, alors que ça fait plus de 8 ans que je l'ai, un truc de malade. Bon, par contre, je perds 100 pièces d'or, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je sais que ce jeu, je vais pouvoir le terminer, mais un truc de malade. Et bah, sur ce, je vais continuer 17 minutes. Ouais, on va aller juste devant le prochain niveau et puis je vais faire le prochain niveau, tout simplement. Tiens, crève, salope. Alors, j'ai pas encore récupéré de la vie. Chaleur mortelle. Ouais, fuck you. Je vais essayer de faire... Bah, dans l'ordre, je vais faire dans l'ordre celui qui était juste en... Ok. Ouh. Première fois, je m'étais fait avoir, mais voilà, c'était la première fois. Bon voilà, je vais essayer de faire le premier niveau, celui qui est juste en face de la fontaine, en espérant qu'il soit pas trop compliqué. Ah, et puis non, pour pas perdre mes repères, j'ai fait celui que j'ai fait la dernière fois en vidéo, mais ça a fail. Je vais faire, bah, je sais plus c'est lequel, mais... Il me semble que c'était un truc avec mortel, un truc comme ça. Alors, on peut aller dans l'eau. Hein, ouais, même le crâne, il va s'ouvrir. Tiens, on va faire ça, d'ailleurs. On va faire en sorte que le crâne s'ouvre. Fuck you. Hop. Alors c'est celui-là, le niveau qu'on va faire juste après. Par contre, je vais faire le tour un peu. Tiens, il y a des petites pièces. Ah yeah. Faut pas que je perde de vie parce que là, je vais perdre mon armure si je perds la vie, tout simplement. Tiens, qu'est-ce que tu veux, toi? Yeah. J'ai réussi à contrer. Ok. Là, il n'y a rien, absolument rien, c'est un fail, enfin, un piège, plutôt. Allez, on va monter, voilà, on a tout notre temps, après tout. Bon, l'idéal pour les épisodes, ça serait 15 minutes. Du moins, je vais essayer de faire 15 minutes, après, s'il y a trop de fails, c'est pas possible. Vous le comprendrez, hein. Le problème, c'est que j'ai pas encore développé... Fuck you, j'ai perdu mon armure. Non. C'est pas grave, je vais le récupérer au prochain épisode. Parce que j'ai vu comment le faire pour le récupérer, tout simplement. Voilà, c'est juste au début du niveau. Et bah c'est pareil, alors on va... Ça a rien fait? Si j'ai... Non, ça a rien fait. Qu'est-ce qui faisait que je... Bah je vais voir. Ah c'est peut-être là-bas. C'est peut-être là-bas... Il y a un truc pour ouvrir le crâne qu'on a vu tout à l'heure dans l'eau. Ah bah... Bref, je tourne en rond. Et bah c'est pas grave. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. On va détruire ce petit truc inutile. Et voilà, moi j'espère voilà, vraiment que vous apprécierez mon concept ainsi que mon let's play. Mon tout premier let's play. Le deuxième let's play, je sais pas exactement sur quoi ça sera. Voilà, sûrement sur Ratchet & Clank puisque certains de mes abonnés l'apprécient. Enfin, voilà, certains de mes abonnés apprécient. Bon, sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera sûrement aujourd'hui ou demain. Je sais pas, en fait, si j'arriverai. Bon, voilà, à plus, les amis. Bye!